pris la troisième place. Voilà, ils sont partis pour un peu moins de 40 minutes maintenant. Steve Burgess, Spencer Bourne, Mark Trader, Jason Richover, John McLeod. Andrew Ferguson qui a connu les affres d'un départ loupé. Alors Alex Mortimer est en tête avec 6 secondes. Numéro 2 de Steve Burgess est 6e, Stuart Mosley est 7e avec la retenue numéro 10, Spencer Bourne. Avec la 20 et 10e place pour John McLeod avec la voiture numéro 14. Et où est le... premier, mais il va encore faire du chemin pour revenir de les voir un verre malmedi. La 26 de Christian Jeffrey, la 2 de Steve Burgess, la 10 de Stuart Mosley, la 8 de Spencer Bourne. Identique. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la catégorie solo, avec en troisième position les premiers. Avec 7 dixièmes d'avance, Jérôme de Saint-Denis sur la voiture numéro 5. Christian Jeffrey est 5e, mais 3e dans sa catégorie. Ensuite, il est même 9e avec la voiture numéro 46, une belle remontée, mais elle était attendue aussi. Tant cette voiture est passée devant nous pour la 4e fois. Et nous attendons. Le numéro 4 ne devrait plus être très loin. Le voilà. Puis la voiture numéro 5 de Jérôme de Sadeler, Christian Jeffrey et tous les autres, et Andrew Ferguson. Thank you.
freinage des combes, changement pour la sixième place. Il y a un peloton compact là, hein, pour la cinquième. Primaire est déjà passé devant vous. Après 11 minutes 44 secondes de course, il a 20. Et là, sa bagarre ferme un petit peu plus loin. Ils sont trois au coude à coude. Avec le 10, le 26. Et le 2, plus que probablement, Steve Burgess, voilà, en effet. Avec la 46 qui a dépassé tout le monde. Andrew Ferguson. Alors Ferguson vient de dépasser Jérôme de Sadeler. Il va pointer très bientôt en quatrième position. Alors Jim Bidou, troisième de Mike Jackson, avec la 44e, Andrew Ferguson avec la 46. Radical avec Alex Fortimer bien en tête avec 37 secondes 9 d'avance au Jim Booz qui lui devra se méfier de la remontée. Sept tours accomplis par Mortimer et Booth, 41 secondes les séparent. Andrew Ferguson est troisième maintenant. Il n'a que 8 secondes 7 de retard sur Jim Booth et il va durement finir le tour. Thank you.
Il n'en a plus que 6 livres de bons sur Andrew Ferguson. Ce sera l'intérêt pour la fin de la course. Voilà. Il reste quand même 20 minutes. Hein. Nous sommes à la moitié maintenant. Alex Mortimer, Jim Booth et Andrew Ferguson sont les trois titulaires des Masters. Et ils se sont retrouvés aux trois premières places après un incident de parcours fâcheux pour Andrew Ferguson qui a dû remonter tout le peloton après un départ chaotique. Voilà, Mortimer est passé pour la 9e fois. Bien, alors les voitures rentrent au stand, bien entendu, puisqu'elles sont obligées de le faire. C'est le cas de Jim Booth sur la 63. Jeremy Ferguson a fait la même chose sur la 46. John McLeod et Mark Grader, qui se sont donc tous arrêtés, comme le règlement le prévoit d'ailleurs. Entre la 4 et la 10, mais ils ne se sont pas encore arrêtés. Le titulaire de la voiture numéro 8 est dans le stand. C'est Spencer Bourne.
Pour les pilotes de la Nice, changement de pilote. Et Stuart Mosley sur cette voiture numéro 10, deux pilotes donc qui se partagent le volant. Mais ceux qui roulent seuls doivent également s'arrêter. Donc le nombre de secondes. La bonne logique sportive. Alors, Alex Mortimer s'est arrêté. Dominic Jackson, John Caldwell, Brian Caldwell également. Martin Verity, Elliot Goodman et Jason Richover. Ils se sont tous arrêtés. Voilà, la pit lane est fermée maintenant. Pour la voiture numéro 8 qui est mal sortie des stands de tout à l'heure, la voiture numéro 8 après son arrêt. Christian Jeffrey et Adrian Watt se sont enfin arrêtés. On me demande si ce n'était pas à faire. Thank you.
Jeremy Ferguson a repris la troisième place déjà. Il a 7 secondes de retard sur Dominic Jackson afin de réintégrer sa position de base. Alors 13 tours ont été accomplis maintenant par le seul Alex Mortimer en attendant les autres. Et les autres, c'est Dominic Jackson et Jeremy Ferguson. Ces deux-là ne sont plus séparés que par 4 secondes. Donc la deuxième remontée de la famille Ferguson va être... Il reste un peu moins de 5 minutes maintenant. Alex Mortimer a accompli 14 tours. Jeremy Ferguson, moins de 4 secondes séparent le deuxième du troisième. Mais bien sûr, rappelons que Jeremy Ferguson dispose d'une SR8 beaucoup plus rapide que la SR3 de son adversaire. Voilà Jackson et voici également Jeremy Ferguson. L'écart n'est plus de 1 seconde 3. Et donc la voiture 46 aura réintégré son classement, sa place d'ici quelques instants. Qui a fait le ravitaillement, enfin l'arrêt au stand. Il a dépassé Dominic Jackson et le master est revenu à sa place. C'est-à-dire la fin. Du drapeau à Damier. Il reste 2 minutes
avant la fin de cette première manche de Radical avec Alex Mortimer, qui est le patron, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Jeremy Ferguson, qui a fait des allers-retours vers la deuxième place ou vers la 20e, mais qui est deuxième quand même. Jeremy Ferguson sur la voiture numéro 46. Dominic Jackson est premier dans sa catégorie et troisième du général, devant Jeremy Ferguson. Le PC du drapeau Adam. D'Alex Mortimer, bien entendu, c'est plus facile aussi, mais c'est normal.